Veille datée depuis le 2 octobre 2007. Ça dit jour que l'autorité, le report international pointe la rue, s'est découvert drogue dans bagages et zones pakistanais qui s'y fait débarquer. Des boîtes 4 ans, babane vaisselle, c'est 4 paquets en plastique. Plus tard, ça s'est certifié comme un sakène, 1 kg de drogue héroïne. En tout, c'est 4 kg, 14 grammes héroïne. Sa zombe, Goulwale, qui a 28 ans comme là, tire mal la détention de la police. Sans affaire, pas y passer à cause de la cour supérieure des interprètes pour sa dialecte pakistanais Pashtun qui y causait. Finalement, aujourd'hui après-midi, Wally, à travers son avocat, Madame Alexia Amsbury, s'est plaidé coupable face à sa décharge qui s'en contre lui. Ça, c'est pour l'importation et aussi le trafic de drogue d'insérée. Et c'est la Cour suprême, Duncan Gaswaga, qui dit qu'il prend en considération qui s'est accusé s'il plaide coupable et en fait sans ça, il sauve ressources précieuses pour la Cour, si tout l'état de la Cour. Zez Gaswaga, qui dit n'a pas aucun doute qu'il s'abandonne le force essayé et qu'il est révélé au cri dans la société. Il dit la loi est là pour empêcher ce danger pour la santé publique, surtout les concernés manzènes qui fêtent les générations. Et la loi est aussi là pour protéger la société contre mauvaise influence sociale qui résulte à l'abus et l'importation ou bien le trafic de drogue. C'est noté qu'il s'entasse minimum de sa carrière des affaires et 10 ans et maximum 30 ans de prison. L'État est tiré en sursisement, Zez Gaswaga, qui prend en considération plusieurs sentences que la Cour suprême et plus tard la Cour d'appel qui est passée récemment dans des affaires préparées. Parmi, on a affaire Nitin Redeka, un Indien, qui s'y condamne 13 ans de prison pour importer 2 kilos de cannabis. Un Nigérian, Amik Bade, qui s'y condamne 14 ans de prison pour importer 1 kilo d'héroïne. Après, c'est celui Randy Florin, qui s'y condamne 14 ans de prison pour possession de 310 grammes de cannabis. L'autre, c'est celui Terence Alfos, qui s'y condamne un total 10 ans de prison pour possession de 4,9 grammes d'héroïne, aussi bien que cigarette de cannabis. Et finalement, l'autre, c'est celui Alcide Bouchereau, qui nous condamne 8 ans de prison pour trafic 153,3 grammes de cannabis et pour aussi cultiver 85 plantes de cannabis. Ziz Gaswaga fait ressortir qu'il s'entasse dans sa bonne cas, si à cause d'affaires, dans la cour. L'État me demande la cour pour imposer une sentence plus légère à son client. Madame Amsbury a demandé que M. Goulwali gagne une sentence minimum, ça veut dire 10 ans, le tout le décharge. Sa avocate aussi dit que son client est un homme de 28 ans avec son madame et ses enfants qui peut souffrir au Pakistan à cause de lui et de prison sur celle. Aussi le fait qu'il sache son premier offense et qu'il montre un remords de conscience. Ziz Gaswaga a noté que la loi prévoit qu'il s'est accusé de vrai gars puni pour son rôle dans sa transaction, même s'il dit que ça ne doit pas être pour lui. Ziz a accepté l'argument avocat de la défense qui Goulwali peut simplement transporter sa drogue et il a servi avec promesse sa petite récompense pour son service. Ziz dit que sa Pakistanais n'a pas été bénéficié d'aucune façon à travers sa transaction. Sa mandou qui n'a été saisi et après ça dans prison. Encore une fois, Ziz Gaswaga dit que prenant en compte l'argument avocat de la défense, aussi bien le fait que Goulwali est plein de coupables, les Ziz croient qu'il s'entend s'approprier et 12 ans de prison pour chacun de sa décharge. Tous les descendants pour marcher ensemble, ça veut dire que sa Pakistanais il condamne 12 ans de prison et sa l'état qui passe le remand pour 18 mois, il a tiré le 60 ans. Ziz Gaswaga est aussi dans l'ordre qui commissionnait la police, il détruit sa 4 kilos d'héroïne dans l'espace 30 jours. Ça pour faire de présence Ziz lui-même, attorney général, aussi bien qu'avocat de la défense dans ses affaires.